il fait un peu beaucoup très froid. Salut à tous, on est en pays catalan et comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi, aujourd'hui on part sur une exploration urbex. Alors ce lieu vit le jour en 1844. Wow. Et à ses débuts, ce fut un établissement thermal. Pourquoi thermal? Car ici, il y a 4 sources d'eau chaude. On peut le voir à ce niveau-là. Regardez la fumée qui sort. Il a été fermé en 1929 pour 2 raisons principales. La première, l'hôtel était difficile d'accès. Et seconde raison, il y avait souvent une remontée des eaux du fleuve situé derrière moi. Le fleuve est juste ici et l'hôtel, juste là. En 1941, l'établissement a été revendu à un banquier de Perpignan qui le transforma en une auberge de style Renaissance espagnole. Et l'entrée, rien que l'entrée, ça sent l'Espagne. Olé! Bueno, bueno! La caméra était posée juste là pour ce plan. J'étais pas serein du tout. L'auberge a connu 37 belles années et fut revendue en 1978 où un restaurant a été aménagé. Bon, le lieu est vraiment dangereux. Il y a... Ça tombe, donc faut vraiment faire gaffe. Quand vous venez ici, si vous venez ici, faites surtout très gaffe. Essayez de pas trop escalader les murs. Faites pas trop les cons parce que... ça peut s'effondrer assez facilement. Donc là, apparemment, tout ce côté-là, c'était le côté salle de bain. Regardez, il y a un évier ici. Il y a encore un évier ici. Et c'est malheureusement en 1984 que la vie ici s'arrêta à cause d'un énorme incendie. Ici on arrive bien à voir les dégâts liés à l'incendie. Regardez. Il est depuis laissé à l'abandon et c'est vraiment dommage car c'est... waouh, il y a vraiment, mais vraiment un potentiel de fou. Et tout là-haut, je sais pas si vous arrivez à voir, sur ce pont, c'est là où passe le fameux train jaune.